Salut à tous c'est Garfoma aujourd'hui c'est parti pour une World World of tank et je vous souhaite à tous une bonne année 2023 bonne santé mes meilleurs vœux j'espère que vous avez bien fêté Noël et Nouvel An et que tout s'est très bien passé et que donc on va aussi continuer de passer encore une année supplémentaire tous ensemble euh, bah avec euh, les vidéos que je vais vous faire euh, tous les vendredis à 7h hein, comme euh, depuis deux ans ou trois maintenant et donc euh, voilà, continue cette belle petite aventure où nous allons voir ensemble d'autres tiers 10 encore supplémentaires. Parce que voilà, je, mon but après tout est aussi de vous montrer tous les tiers 10. C'est ma catégorie euh, de char. enfin c'est mon tiers favori plutôt. Mmh, donc euh, voilà, et puis aussi continuer à, à voir les mises à jour, qu'est-ce que ça donne et tout, les modes, euh, comme il y a en ce moment, enfin, avec le mode arcade euh, sur les boules de neige, etc. Donc j'ai fait une vidéo. La semaine dernière, mais là en ce moment on a aussi une autre version avec la glissade qui est bien plus drôle je trouve. Enfin bref, merci encore à vous tous de continuer à suivre cette chaîne. Nous sommes maintenant à l'heure actuelle quand même 500 abonnés. Parce qu'au cas où, aujourd'hui c'est la vidéo où on fait un petit bilan de 2022. Que ce soit pour la chaîne YouTube ainsi que pour World of Tank. Et ensuite je vais vous dire les prochaines vidéos que je vais faire ainsi que voir l'avenir de World of warcraft pour cette année 2023, parce qu'ils ont fait une vidéo qu'ils ont sorti il y a deux semaines de ça maintenant, où justement je vais réagir là-dessus. C'est une petite vidéo qui dure à peine 2030, je dis pas de bêtises, où justement ils nous montrent plein de choses qu'ils ont prévues pour cette année. Donc, franchement, ça promet. Alors moi, je l'ai déjà vu de mon côté, bien sûr. Mais voilà, là, c'est juste pour vous donner mon avis euh, pendant cette vidéo, et pour ceux parmi vous qui ne l'auront pas vu de votre côté, bah vous allez le découvrir euh, dans cette vidéo tout simplement. Et puis voilà, je vous mettrai quand même le lien dans la description en dessous, si jamais vous le découvrez tranquillement de votre côté. Et ce sera en mes commentaires, etc. Enfin bref. Donc d'abord, on va parler d'abord de la chaîne YouTube, et ensuite nous parlons de World of Tanks. Euh, comme ça, on... voilà, j'ai choisi cette ans, tout simplement. Donc, euh, pop, 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 alors, en 2022, le bilan de la chaîne est plutôt bien, je, ça j'ai bien aimé quand même, 500, 6 abonnés carrément maintenant, donc merci à vous tous de... Euh, de me suivre, alors après, je sais que certains, c'est pas forcément que cool pour mes vidéos, parce qu'il faut pas oublier qu'après tout, de base, c'est la chaîne de mon frère, 0 comme vous pouvez le voir ici, et justement, récemment, on a renommé le nom de la chaîne YouTube, parce que certains m'ont dit qu'ils avaient des fois du mal à retrouver ma chaîne, euh, notamment ceux de mon clan, qui des fois s'amusent, enfin, veulent faire de la pub pour mes vidéos, donc en merci à vous, ça fait vraiment très plaisir et donc effectivement, euh, je demande à mon frère si ça le dérangeait, il a dit pas du tout, au contraire, il trouve même que c'est plus logique de faire ça, vu que, <laughs> on va dire que les trois, les trois quarts des vidéos sur la chaîne, c'est de ma part, donc on a renommé Garfemas et Tayaki, tout simplement mon pseudo à moi, Garfemas, et le Tayaki, le pseudo de mon frère. Et donc voilà, parce que oui, au cas où certes, on dû remarquer, mais il y a quelques semaines, voilà, il y a 10 vidéos qui n'ont rien à voir avec World of Tanks qui sont sortis, il ne faut pas oublier que c'est une chaîne YouTube qui à la base est la sienne, c'est juste que, pour une petite histoire, mais en fait de base, lui avait mis ensuite quelques vidéos World of Tanks, ensuite moi de mon côté j'avais fait des vidéos euh, sur euh, le, les modes Halloween et l'IS en boule qui datent il y a de très longtemps de ça, il faudrait vraiment redescendre mais à très très loin euh, en arrière mais bon de toute façon voilà là certes, vous voyez beaucoup de vidéos de World of Tanks mais si vous descendez beaucoup plus bas vous verrez des fois des vidéos qui ont pas spécialement quelque chose à voir euh, donc vous voyez là par exemple on a du Grand Panzer c'est un autre jeu enfin qui vient d'un animé sur les tanks enfin qui parle de tanks etc euh, que, que mon frère y fait des fois et tout, donc ne soyez pas surpris hein, si vous voyez ça. Et puis si jamais vous voulez voir que des vidéos sur World of Tanks, enfin si jamais vous suivez cette chaîne YouTube que pour les vidéos sur World of Tanks que moi je fais, c'est simple. Les vidéos là-dessus, elles commencent toujours par WOT, les initiales du jeu, hein, World of Tanks, tout simplement, et ensuite un titre qui qui explique de quoi ça parle. Alors que les autres, ce sera en principe plutôt euh... Vous voyez notre présentation et première avis sur Gun Panzer. Là, effectivement, on voit que c'est pas du World of Tanks parce qu'il n'y a pas de WET au début. Ça, je mets exprès, justement, pour bien différencier mes vidéos sur World of Tank du reste. Comme ça, au moins, euh, c'est clair. Euh, personne n'est perdu. Vous pouvez voir <laughs> aussi des petites vidéos sur des films à la cour. Enfin, voilà, ça, c'est un peu tout, tout ce qu'on aime bien faire. Il y a même des constructions de, de, de navires euh, sur Kobe. Enfin, bref, il y a un peu de tout. Ça, c'est. Donc voilà. Ne soyez pas surpris si des fois vous voyez des vidéos qui n'ont euh, rien à voir avec World of Tanks, Ça, ne faut pas l'oublier. Je tiens juste à préciser au cas où pour certains. Parce qu'il euh, y a quelques. Enfin, en fin d'année, l'année dernière, on avait eu un petit délire de sortir quelques vidéos sur un manga qu'on aime beaucoup, mon frère et moi. Euh, avec des petits choix à la con. Enfin bref. Et donc, certains m'avaient dit Mais qu'est-ce que c'est que ça bah, Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas que ma chaîne de sub bah, à moi. Mais donc, rien ne vous oblige à les voir. Enfin bref, sinon pour l'année 2022, côté de ma chaîne YouTube, bah écoutez, bah, comme dit, 500 abonnés, on a changé le nom, et puis globalement, par rapport à la vidéo que j'ai fait l'année dernière en début d'année où justement j'avais fait un petit peu le planning, je racontais quelles vidéos euh, je voulais sortir pendant l'année 2022, bah finalement j'ai pu les faire, hein, comme je l'avais dit, notamment celle sur les obus gold qui est ici que vous pouvez voir, je vous mettrai sous les, le lien dans la description en haut, dans les fiches, euh, qui est une vidéo où il n'y a pas de moindre mépris. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, hein, mais je sais que j'ai eu que des bons retours dessus, ça me fait plaisir. Alors après, certes, elle dure une heure, hein, voilà, 59 minutes et 50 secondes, c'est une heure, hein, mais je veux dire, c'est pas une vidéo où je critique les joueurs qui y jouent, etc. Au contraire, c'est une vidéo explicative où j'essaie d'être le plus objectif possible sur le sujet, où je dis vraiment, j'explique qu'est-ce que c'est un bugle etc. c'est vraiment en fait la vidéo je pense qui m'a demandé le plus de travail en termes de recherche aussi sur les différents types d'obus par rapport à la réalité pour voir comment le jeu a essayé de reproduire ça à sa sauce et aussi bah, pouvoir les raisons de l'utilisation des obus gold les impacts etc. mais voilà je suis fier d'avoir sorti cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui est important dans World of Tanks et qui est pour moi l'un de ses défauts enfin bref je l'explique parfaitement dans la vidéo euh, ce que c'est les obigoles, c'est quoi le problème qu'elles impliquent, euh, et quelles seraient les, notamment les solutions que moi je propose, Alors, je ne dis pas avoir la science infuse, mais au moins je propose des solutions, parce que j'en propose même plusieurs, et puis voilà, donc euh, vous avez bien aimé cette vidéo, et ça me fait plaisir, parce que c'était vraiment un sujet dont je voulais un jour ou l'autre en parler, euh, sinon, ben, voilà, j'ai pu faire la vidéo sur le shift, et non, j'ai pas fait des parties incroyables dessus, il y a des joueurs mille fois meilleurs que moi sur ces tanks, mais je voulais au moins vous en faire part, de mon avis, sur ce tank-là, euh, vous montrer quelques petits points faibles qu'il peut avoir, et lesquels, moi, je proposerais qu'il mériterait d'avoir pour pouvoir le rééquilibrer et tout, parce que, ne ouais, faut pas non plus trop le nerfer, faut pas qu'il devienne non plus euh, à chier, faut trouver un juste milieu entre... Euh, en termes d'équilibrage, hein, pour qu'il soit juste très bon, mais pas non plus le monstre qu'il est à l'heure actuelle. Puis voilà, pour moi, les vidéos sur les yotans qui, euh, qui, qui intéressent pas mal de gens. Oui, je me suis amusé avec le tour de liste. <laughs> enfin, bref, euh, ça, ça fait plaisir. Sinon, j'ai pu sortir donc effectivement euh, mes deux vidéos sur les tiers listes, parce que voilà, alors, il y en a parmi vous qui étaient euh, quand j'ai fait le live au fin du mois de mars. J'ai fait un stream en direct sur Twitch où justement j'ai fait pendant toute une soirée avec certains d'entre vous qui étaient présents une tier list sur les tiers 10 de manière générale. Et finalement, durant l'année, j'ai fait, on va dire, deux versions de cette tier list. Une pour les euh, batailles de campagne clan noire, parce que oui, on n'utilise pas forcément les mêmes tiers 10 ou bien les mêmes. Enfin, comment dire Ouais, on n'utilise pas tous les tiers 10. Il y a une catégorie carrément inutile vous pouvez voir qui est assez conséquente euh, dans la vidéo, enfin, dans la tier list. Et là récemment qui d'ailleurs marche très bien, il y a la tier liste. <laughs> oui, on peut voir mon chat qui passe devant. Enfin bref, euh, sur euh, les batailles aléatoires en, en 2022, parce que je pense que en fin d'année à chaque fois je vous referai une petite mise à jour de cette vidéo. Alors elle sera pas aussi longue puisque je m'amuserai que à déplacer certains véhicules. Enfin bref, euh, parce que voilà, en bataille aléatoire certains tanks. Sont beaucoup plus efficaces qu'en campagne Clan War, puisqu'on ne s'en sert pas de la même façon, etc. Enfin, bref, voilà, plutôt satisfait de ce petit bilan de 2022, ça fait vraiment plaisir. Euh, maintenant, on va passer plutôt à ce que je vais venir dans les semaines prochaines. Alors, il y a deux vidéos que je voulais sortir en 2022 à la fin, mais que j'ai pas eu le temps finalement, parce que, euh, comment dire, les derniers mois dans World of Tanks, il y a pas mal de modes qui débarquent. Hein. Il y a le mode, euh, comme on peut voir, Là en dessous, on a le mode The Last euh, Waffentriger, enfin là c'était le mode Waffentriger Héritage qui est sorti. Euh, alors au cas où ces vidéos là non puis, enfin je sors quand même toutes les semaines sur World of Tank au cas où, si jamais vous ne le savez pas. Donc euh, ceux-là n'ont vraiment rien à voir sur le planning. Hein, on les a sortis exprès le dimanche pour ça. Mais voilà, je veux dire, il y a eu ça, il y a eu le mode offensif qui est sorti. Euh, qui d'ailleurs, ce mois-ci, je crois, revient, ou c'est le mois suivant, je ne sais plus. Ah non, ce, ce mois-ci, c'est. Enfin, ça, on y reviendra après sur World of Tanks, mais enfin, voilà, il y a eu le mode offensif. Il euh, y a eu le mode halloween, où j'ai fait une petite vidéo dessus aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis ensuite, il voilà, y a eu quand même 4 vidéos que j'ai fait aussi euh, sur les anti même, même 5 en prenant le tiers premium. Euh, enfin, le tiers 8 premium de l'arbre qui correspond à la branche, donc le. Ah, le Vipera. Euh, je vous ai fait une vidéo sur le WTF100 qui était apparu, donc voilà, vous voyez, il y a finalement pas mal de choses, en plus après les trucs des OPs de Noël, enfin bref. Donc, alors, la semaine prochaine, bah d'ailleurs ça, on va voir avec le calendrier juste à côté, ah non, c'est pas ici. Euh, la semaine prochaine, il y a la mise à jour 1.19.1 avec les lourds chinois qui vont débarquer, qui eux ont les propulseurs. Que je vous expliquerai ça correctement dans la vidéo qui sortira la semaine suivante donc dans deux semaines sur le BZ176 qui est le tier 8 premium qu'on a pu obtenir dans les bois de Noël donc attendez je vais vous montrer pour ceux qui ne voyaient pas de quoi je parle alors voilà donc il y aura ce fameux tier 8 qui pose pas mal de problèmes en ce moment qui est d'ailleurs même considéré par beaucoup comme étant OP enfin trop puissant je suis d'accord, d'ailleurs pour moi le problème vient de ces obus gold, justement, dont je vous parlais avant, ainsi que juste la plaque de blindage là-dessus. Mais enfin, ça, j'y reviendrai sur lui dans deux semaines. Je vous ferai une vidéo complète dessus à son sujet, avec deux replays assez conséquents quand même. Enfin, il y en a qui ont fait des bien plus grosses parties que moi, c'est assez un monstrueux. Enfin, j'y reviendrai dans deux semaines. Mais voilà, la semaine prochaine, donc la vidéo sur la mise à jour, je vous présente tout ce qui sort, donc notamment euh, la branche de charlour euh, chinois, où par la suite justement je ferai sur eux leur propre vidéo, alors ça commence à partir du tiers 7 si je dis pas de bêtises. Donc je pense que le temps que je monte la branche, que je les joue, etc., vous risquez à peine de les voir, on va dire pour mi-février, fin février. Oui, je sais, ça met du temps, les autres youtubeurs ont déjà sorti leurs vidéos de côté dessus mais moi je prends mon temps pour monter la branche, euh, j'ai envie de prendre mon plaisir dessus et surtout de bien découvrir les tanks parce que des fois certains dans leurs vidéos malheureusement ne voient pas forcément tous les détails et donc euh, bah, moi des fois je change, <laughs> je me sers un peu de leurs vidéos pour essayer de perfectionner mes enfin bref, vous me connaissez maintenant. Voilà. Donc ce sera euh, pour par la suite. Mais sinon, avant ça. Donc, comme dit la semaine prochaine, donc, la vidéo sur la mise à jour. Euh, la semaine suivante, la vidéo euh, sur, euh, sur ce tank-là, le BZ-176. Et après ça, je vais enfin sortir les deux vidéos que j'ai pas eu le temps de sortir l'année dernière. C'est-à-dire enfin... Une sur le fameux tank IS-7. J'ai tellement de temps dans le garage, je vais prendre les tiers juste. Donc voilà, enfin la vidéo sur l'IS-7 qui va sortir, donc je pense qu'elle devrait venir, alors le 6, c'est cette vidéo-là qui sort, le 13 ce sera donc la mise à jour, le 20 le BZ-116, donc oui, le 27 janvier normalement vous aurez la vidéo sur l'IS-7, le fameux Tier 10, extrêmement populaire que je conseille d'ailleurs fortement pour les débutants, si jamais vous commencez ce jeu, parce que ce tank pardonne pas mal d'erreurs grâce à son blindage assez trollesque et... Il y a des angles très particuliers. Enfin bref, vous verrez tout ça dans la vidéo sur ce tank. Et la semaine suivante, je vous montrerai la vidéo sur un tier 10 qui a eu droit à des changements l'année dernière. C'est le fameux Krankwagen. Euh, donc ce tier 10 lourd suédois que j'aime beaucoup, qui a été modifié l'année dernière. Parce qu'avant ça, il était complètement abusé. Mais justement dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes d'évolution qu'il y a eu dans le jeu. Parce que oui, c'est pas la première fois qu'il a été euh, modifié. C'est maintenant la deuxième fois déjà. Donc vous allez pouvoir voir un peu comment il était au début et tout. Et je vous donne mon avis sur le tank à l'heure actuelle. Et selon moi, il vaut toujours le coup. Certes, il est peut-être plus aussi puissant qu'avant. Euh, mais il est toujours quand même très efficace selon mon avis. Donc voilà, lui, ça devrait sortir, je dirais normalement, voilà, le 3 février. Et ensuite, si ça va, normalement, les lourds chinois devraient... Euh, débarquer, le tier 7, etc. Enfin bref, euh, je verrai de mon côté comment ça avance. Après, sinon, il y a la campagne Clan War qui, on ne sait pas encore quand elle va sortir, mais normalement, on estime plutôt pour début février, parce que dans le planning de ce mois-ci, il n'y a rien à ce sujet qui apparaît euh, sur le site de World of Tank. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Donc, ça, on n'a plus besoin. Euh, je reviens juste là-dessus. Donc, ouais, là, pour l'instant, oui, il n'y a rien qui parle de ça. Donc, je pense qu'effectivement, euh, ce ne sera pas pour ce mois-ci. Après, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur cette campagne Clan War, parce que oui, c'est vrai, euh, l'année dernière, au mois d'été, finalement, je n'ai pas fait de vidéo sur la campagne Clan War qu'on avait fait à ce moment-là, parce que malheureusement, ils ont fait vite une petite mise à jour derrière qui fait comme les replays. Euh, n'était plus utilisable, alors après faudrait que je une l'ancienne version, enfin bref. Au final, j'ai laissé tomber, parce que c'est vrai qu'il y avait 2-3 batailles intéressantes que j'aurais pu vous montrer, mais bon, des, des vidéos sur les campagnes clan-war, j'en ai quand même déjà fait plusieurs, dont deux qui sont extrêmement... Enfin, j'explique tout de A à Z de qu'est-ce que c'est une campagne clan-war. Donc, au final, est-ce que c'est encore intéressant d'en faire une vidéo à chaque fois qu'il y a une nouvelle campagne clan-war je sais pas, dites-le-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je continue encore à en faire dessus, moi de mon côté. Sinon, pour l'instant, je verrai en fonction s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à montrer ou pas et si aussi il y a le temps de le faire. Euh, sinon, maintenant, tant que j'y pense juste et après, on verra enfin World of Tanks. Euh... C'est vrai que peut-être que cette année, j'ai d'ailleurs fait déjà une vidéo à ce sujet, je vais peut-être faire un nouveau petit format de vidéo qui sortirait lui plutôt en milieu de semaine, parce que là, les, cette vidéo-là, ainsi que celle d'habitude, sortent le vendredi à 17h, mais, en fonction de comment ça se passe et tout, euh, la connexion et tout, euh, j'ai en tête de vous faire un nouveau petit format de, du genre le petit replay de la semaine, ce serait des vidéos beaucoup plus courtes qui durent juste maximum un quart d'heure, le temps d'une bataille, où justement je vous montre un replay précis sur une bataille que j'ai fait en bataille à toit, ou des fois même en bastion, enfin bref, ça, ça je verrai encore, où justement je vous montre en fait une bataille spécifique, euh, regardez, par exemple, pour vous montrer vraiment un élément clé de pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi ça a de l'importance, et etc. Là par exemple j'ai une vidéo de côté avec le Minotauro où je fais une sacrée bataille, mais... Ce qui est le plus intéressant, c'est surtout ce que je fais dans cette bataille. J'aurais très bien pu faire avec ça avec un autre char, mais c'est la situation euh, dans la bataille qui est surtout intéressante. Donc, je pense que ce mois-ci, je devrais vous la sortir. Et à long terme, j'aimerais bien donc avoir vraiment un deuxième petit format de vidéo plus court. Donc, dites-moi en commentaire si ça, ça vous intéresse vraiment. Euh, après, voilà, n'espérez pas en, pour l'instant en voir toutes les semaines. Mais de temps en temps, ça pourrait effectivement apparaître, notamment sur des chars tier 10 dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. Parce que si maintenant c'est par exemple je fais des batailles très intéressantes, mais sur un tier 10 dont j'ai pas fait une vidéo dessus, je vais plutôt faire en sorte de faire une vidéo complète sur ce char. Et en même temps, j'en profiterai pour expliquer la situation qui sera présente dans la partie. Mais vu que le Mintoro, j'avais déjà fait une vidéo complète à son sujet et que ça j'ai fait par la suite, je me suis dit, bon bah pourquoi pas en faire un nouveau petit format où genre, je vous montre des replays en particulier. Donc voilà, dites-moi si ceci, ça vous intéresse. Enfin bref, maintenant on va donc voir World of Tank en 2022. Donc pour ma chaîne YouTube, là on a fini. Maintenant, on va voir donc pour World of Tank en 2022, finalement, un peu faire un petit résumé à son sujet. Et ensuite, nous verrons la vidéo sur l'avenir de 2023. Donc, là, il nous montre un peu tous les véhicules qui sont sortis en 2022. Il y en a quand même. Pas mal, hein ça, ça fait plaisir. Alors, dans la liste-là, ils ont oublié le 114 SP2. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. C'est l'antichar chinois dont j'ai fait une vidéo complète dessus à son sujet, qui était une récompense de bataille classée. Mais voilà, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de temps qui ont été rajoutés, notamment les deux branches. Ça, ça fait plaisir. Après, voilà, il y a quand même pas mal de premium, des petits à gauche, à droite. Après, ils ont remis le T22 Medium. Hum qui était sorti dans les caravanes et celui-là, j'espère l'avoir cette année, parce que lui, c'est le... Il fait partie des deux seuls tiers 10 à l'heure actuelle que je n'ai pas dans mon garage, lui, il le 907, que normalement, je devrais avoir cette année, en vue de, du nombre d'obligations que j'ai, mais, ouais, mais bon, le T22 Medium, j'aurais dû choper l'année mais bon, je n'étais pas sûr, à cause des enchères, enfin bref, euh, donc cette année, moi, j'attends avec impatience qu'il réapparaisse dans des, le marché noir, etc., ou bien nous, peut-être dans les caravanes, enfin bref, on verra à ce moment-là, et si jamais je l'obtiens, bah peut-être que je vous ferai une vidéo par la suite dessus, parce que c'est vrai qu'il pourrait être euh, vachement intéressant. C'est comme c'est vrai que je vous ai oublié un peu de montrer des tier 10 que je voulais faire, des vidéos peut-être cette année. Enfin, de toute façon, je veux tous les faire à terme, mais je pense probablement faire une déjà sur le 260, parce qu'il pourrait être intéressant pour vous de voir là-dessus, vu que c'est un char de récompense, et qu'il faut quand même faire beaucoup de missions très quand même difficile, incertaine, quand euh, même beaucoup en fonction du niveau du, de chaque joueur. Donc, est-ce que ça vaut des fois le coup d'aller chercher ou pas Il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus pour vous montrer ses qualités, ses défauts, pour pouvoir mieux vous aider à savoir si ça vaut la peine d'aller chercher ou pas. Bon, selon moi, oui, parce que c'est quand même un très très bon tank. Mais enfin, bref, on verra ça plus tard. Donc voilà, là, on voit tous les tanks qui sont sortis. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, je vous mettrai peut-être le lien en description en dessous de la vidéo. Mais sinon, pour 2022, alors, le plus intéressant, c'est juste... Enfin, le plus simple serait d'aller voir mes vidéos sur les mises à jour que j'ai faites de l'année dernière, mais globalement, je trouve plutôt que c'est une bonne année dans World of Tanks, même si c'est vrai que dans cette list enfin, dans cette liste de chars, il y a certains qui font un peu grincer des dents, comme le Cobra, qui est... Alors, il ne est... m'a pas plus fait chier que ça, mais c'est vrai que les quelques fois j'ai eu l'occasion d'en croiser en face et qui me fait mal, j'avoue son baril est quand même très monstrueux, en plus, ses obus hein, dans le Loïc, sont abusés, je ne l'ai pas pris, parce que je trouvais qu'il coûtait beaucoup, beaucoup de jetons, donc j'attends cette année pour qu'il coûtera moins cher, et là, je le prendrai, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, je me rendrai compte de la saloperie mais bon, de ce que j'entends à gauche, à droite, c'est effectivement un char dit toxique, dans le sens où il est très punitif, et ensuite, vous avez le long Rio. Dans... enfin bref, c'est un peu un mini-doubleté au comme certains l'appellent, mais bon, ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais sinon, autrement, dans l'année, les autres chars qui sont sortis sont plutôt bons. Je trouve les que comme je l'ai dit, les M2Y, M5Y, etc., sont plutôt, selon moi, bien équilibrés. Certains trouvent même qu'il devrait être amélioré, le M5Y. Bon, peut-être pourquoi pas, c'est vrai. Mais moi, en l'occurrence, à l'heure actuelle, je trouve très. Enfin, je trouve bien, j'aime bien le jouer. Sinon, autrement, il y a eu l'OBJ780, dont j'ai fait une vidéo dessus, que j'aime beaucoup. Un tiers à 10 qui est quand même bien équilibré. Alors qu'en plus, c'était juste pour une vente. Enfin, il fallait le construire et tout. Donc, on aurait pu s'attendre à un char abusé. Mais non, finalement, il est très très bien, je trouve. Certains ont même tendance à le rabaisser. Mais moi, je trouve qu'il est quand même très efficace. Il ne faut pas le sous-estimer. Euh, ensuite, il y a eu les, la branche d'antichars euh, italien, que certains trouvent trop fort. Enfin, j'ai fait des vidéos complètes à leur sujet. Pour moi, j'ai plutôt envie de dire qu'ils sont peut-être quand même. Bien équilibrés, certes dans leur situation, quand ils sont bien positionnés, ils sont monstrueux, ils écrasent tout. Mais après, en dehors de ça, c'est pas toujours évident non plus. Enfin bref, c'est pas évident. Après, peut-être que il faut attendre encore quelques mois pour vraiment se rendre compte de l'impact qu'ils ont dans le jeu. Mais j'ai pas l'impression que c'est non plus la branche qui est vraiment, comment dire, qui qui euh, ah, qui défend ce matchmaking, qui l'équilibrage en jeu. C'est plutôt un char qu'ils ont sorti très récemment, le BZ176, que donc, lui, on reviendra dans deux semaines, qui, lui, à cause de son, ses obugoles, euh, pose problème. Ça, c'est le deuxième petit hic de l'année. Mais sinon, de manière générale, il y a eu quand même pas mal de mises à jour, de rééquilibrage, de correction de bugs et tout ça, où ils ont rééquilibré aussi, par exemple, le wagon que nous verrons donc à la fin de ce mois. Euh, ils ont fait pareil avec la MXM454. C'est vrai que lui aussi, il faudrait que je fasse une vidéo sur ce tier 10 qui a été modifié alors, en fin d'année dernière, donc ça, Peut-être vous l'aurez pour le mois de février, on verra. Mais voilà, globalement, ils ont aussi modifié pas mal de cartes. D'ailleurs, après, dans la vidéo, vous allez voir, il y a aussi pas mal de cartes, ils ont l'intention de modifier. Donc, honnêtement, globalement, je trouve que l'année 2022 était plutôt positive dans, le, dans ce qu'ils ont fait. Euh, Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez donc cette année 2022 en termes de mise à jour, de contenu et tout ça de World of Tanks, euh, Après, il voilà, faut vraiment tout prendre en son ensemble, parce que c'est vrai qu'en plus, on a eu l'arrivée aussi des silhouettes en jeu, qui permet un peu plus de faciliter la visibilité euh, des zones où on peut choper le char, ou bien s'il y a des obstacles en chemin qui le protègent, etc. Ça facilite un peu le jeu, mais pour certains, ça permet peut-être un peu mieux de se débrouiller. Enfin, bref. Euh, pour globalement, je trouve plutôt que l'année était intéressante. En plus, on a eu une nouvelle carte. Euh. Ouais, juste une, je crois, mais bon, je sais qu'il y en a pas mal qui vont bientôt venir, normalement, euh, dire équilibrage et tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant le rééquilibrage, ça j'aime bien. Donc voilà. Et sinon, ben, maintenant, nous allons voir pour euh, l'année 2023. Donc comme dit, les lourds chinois qui débarquent la semaine prochaine, mais bien plus encore dans cette vidéo The Future World of Tanks qui est donc sorti en Fin d'année 2022, donc il y a deux semaines de ça. Et maintenant, nous allons voir ça ensemble. Et oui, et là, rien qu'avec la miniature, ça promet, on sent des nouveaux tanks, assez intéressants. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Voilà, 2008-2029, donc oui, c'est assez court. Mais c'est très intense. Hein. La vidéo, vous allez voir, ça a enchaîné plus d'une fois, je vais me mettre sur pause quand même. Qu'on puisse bien analyser euh, de, de, de qu'est ce qu'ils vont rajouter, etc. Allez, c'est parti avec la musique. Je sais pas si j'aurais les droits d'auteur, <laughs> normalement ça devrait le faire. Ouais, je, sinon, sinon, voilà, je c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je pense pas. Je vais recouper couper le son pour être sûr, sinon pire, hein. mettrez votre côté, mais enfin bref. Euh, en même temps, vous m'entendez bien. Donc là, il parle de la bande arcade qui est en ce moment H de glace. Bon, ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est pas un souci. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la version où vous glissez vachement, ça, j'ai pas encore fait. Peut-être je vais vous en faire une petite vidéo bonus. Euh, vous glissez vachement et tout, c'est bien drôle. Moi, je m'amuse juste à foncer dans le tas avec des chars faits pour. Donc euh, voilà, je vous conseille quand même de tester. En plus, vous pouvez gagner des obligations, je crois 500 à chaque week-end. Donc honnêtement, autant le faire. Au moment où vous verrez ces vidéos, c'est le dernier week-end qui, qui, qui sera avec ce mode. Donc autant y jouer, c'est pas difficile en plus. Il faut être dans les 12 premiers quand vous gagnez. Donc vraiment, avoir 500 obligations, c'est pas compliqué. Le retour de tracker d'acier, là maintenant même une version résurrection avec des bottes Et donc en gros quand vous faites éliminer, vous avez la possibilité de respawn. Alors je pense que ce sera quand même deux versions parce qu'ils disent bien tracker d'acier et ensuite tracker d'acier euh, respawn, enfin résurrection, voilà ils ont appelé. Donc je pense que ce sera vraiment deux versions du mode séparé. Donc il y aura toujours la version qu'on a connue l'année dernière euh, et une nouvelle version. Bah, je me dis pourquoi pas de toute façon quand ça viendra, je referai une vidéo dessus parce que voilà, c'est un mode que j'aime bien et puis comme je vous le dis dans cette sur cette chaîne YouTube, j'aime bien répertorier justement tous les modes un peu fun que World of Tank a fait. Notamment, vous pouvez retrouver d'anciens modes que j'ai fait il y a longtemps de ça, euh, notamment avec euh, l'IS en boule sur la lune, c'était hyper drôle, j'adorais ça ou encore euh, face au Léviathan, où vous étiez dans les enfers avec des chars à deux tourelles très intéressant qui peut viendra un jour en gameplay enfin bref une nouvelle saison de, du mode offensive dont je vous ai parlé avant en vidéo avec cette fois-ci des batailles de qualification donc je pense comme pour les batailles classées donc si maintenant il y a vraiment de gros changements peut-être que je referai une vidéo à ce sujet là pour vous expliquer la différence mais sinon je si c'est vraiment juste quelques petites batailles de qualification qu'il faut faire au début pour en fonction de vos résultats, et vous place direct dans telle ou telle ligue, je pense pas que j'aurais vraiment besoin de faire une vidéo spécialement là-dessus pour expliquer ça parce que bon, c'est pas compliqué non plus. Le retour de Minière 13, donc pour le mode Halloween, ça c'est vachement cool, c'est un mode que j'avais pas mal aimé. Ah dire, ça enchaîne. enchaîne. Hein. J'ai à peine le temps de mettre pause, euh, donc voilà. Me retourne mi un Mais bon, comme dit, géo, mail, Je ferai une vidéo à son sujet. Ce sera sûrement une, la suite de l'aventure. Ça, j'ai hâte de voir. Mais bon, ce sera pour dans quelques mois. Hein. Bah ben, dans neuf mois précisément. Je dis pas de bêtises. Voilà. Euh, nouvelle map frontline, Enfin, ça, je l'attendais. Je l'avais prédit déjà, mais c'était obligatoire. Qu'en plus, ce soit une map désertique pour avoir les trois types de, on va dire, de décor. Hein, donc une map estivale avec la première qui se passe je crois d'ailleurs en Normandie de ce que j'ai compris enfin bref c'est plus ou moins le délire que ça veut la deuxième qui j'ai oublié le nom Cravverio je sais plus quoi là qui se passe euh, enfin dans une zone enneigée avec des usines et tout ça et donc la dernière qui enfin la troisième plutôt parce que c'est pas impossible ils en sortent d'autres par la suite qui elle sera donc dans le désert avec carrément une raffinerie euh, de pétrole je pense et waouh des décors souterrains et tout enfin on passe sur des cabanes vraiment Magnifique et tout, hâte de découvrir ça. ça je vous ferai une vidéos spécialement sur cette map pour la découvrir. J'ai hâte de ça. Euh, une nouvelle map comme ça, ça va être très rafraîchissant. Vraiment, là je suis impatient. <laughs> ah oh, la carte B18 pour ceux qui me suivent et qui regardent toutes mes vidéos, vous savez que j'avais été enfin qui avaient vu mes vidéos, notamment sur les. Ah, quand on teste les futures maps, on donne notre avis dessus. J'ai oublié le nom de, sur le coup de comment ça s'appelle. Euh, euh, non, enfin bref, vous remontez un peu plus en arrière dans mes vidéos sur, sur ma chaîne YouTube, vous verrez euh, ça. Donc j'avais dit l'année dernière, justement, même il y a deux ans maintenant presque, enfin il y a un an et quelques mois plutôt maintenant, c'est vrai que les débuts d'année ça perturbe toujours quand on parle de, de temps. Mais voilà, la b 8 que j'en avais parlé, que j'avais dit que j'avais adoré cette carte, ils l'ont vraiment, enfin maintenant ils l'ont finalisée. Un petit peu modifié par-ci par-là, mais globalement ça reste le même dire et j'ai hâte de la voir. Et là-dessus, peut-être que je change, je vous ferai une mini vidéo à son sujet où je vous ferai un replay dessus euh, pour vous montrer. Et celle-là, j'ai hâte de la jouer. Et peut-être même qu'elle arrive en bastion parce que cette carte, je sais pas pourquoi, mais visuellement et en termes de possibilités, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu quand j'ai eu l'occasion de jouer dessus en mode découverte. Et en mission de reconnaissance, voilà. Mission de reconnaissance, ça me revient en tête. Et vraiment, si ça se trouve, je vais peut-être bien l'étudier pour pouvoir faire des stratégies dessus. Parce que vraiment, je trouve qu'elle a énormément de possibilités. Vraiment, je trouve cette carte très intéressante, que ce soit en termes de, de stratégie et visuellement. Huit maps qui vont être équilibrés. Ariodrome, Sudanski, Cold Mountain, Step, Rivos, Falaise, Westfield et Mine. Ça c'est très très bien, il faut continuer l'équilibrage. Peut-être que j'y reviendrai dans la mise à jour. qui Je crois que ça sort la semaine prochaine d'ailleurs, donc il y aura quand même pas mal de choses à, à vous montrer. Mais vraiment, ça fait plaisir qu'il rééquilibre euh, d'anciennes cartes. Nouveau système de faits d'armes, et puis on enchaîne avec euh, du prestige qui en fait, on peut voir que ça dépend du nombre de batailles, de kills que vous avez fait, pourcentage de victoires, etc. Ça vous va faire monter euh, cette barre. Et donc vous gagnerez apparemment des petits camouflages, je sais pas quoi. Et vous aurez même la possibilité d'afficher votre niveau en bataille, là où vous voyez sur le côté, comme c'est déjà le cas. Ah attendez, ça, ça enchaîne tellement, j'ai à peine le temps de vous montrer un truc. Donc voilà, et ça c'est... Je trouve ça peut être intéressant dans le sens où maintenant c'est vraiment un tiers 10 que vous avez beaucoup joué. Bon, on peut voir que ça influe dessus et tout. Donc en plus, ils mettent le 60 TP comme par hasard. Bon bah ben, moi, c'est sûrement l'un des chars avec lequel la barre va être très élevée. Euh, ça, je... A voir qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ce sera vraiment intéressant ou pas. Mais je pense que c'est une façon ou une autre de dire que je pense que c'est surtout intéressant pour des joueurs qui ont des statistiques un peu moyennes, un peu comme moi des fois, certains quand ils voient mes messages, ils se disent ouais pas d'artillerie, mais en fait, moi je joue tous les tanks du jeu, enfin, surtout au niveau tier 10, et euh, même les chars, j'arrive pas bien à jouer, genre les chars légers, euh, certains chars moyens, ou les artilleries. Mais moi, où je suis vraiment monstrueux, c'est surtout avec des chars comme le 60TP. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que qu'ils pourront se dire, ah, bah, finalement, avec celui-là, il se débrouille très bien. Mais bon, moi, je garderai peut-être mon truc d'Halloween toujours en haut à gauche pour le plaisir. Mais enfin, voilà, je pense que c'est surtout pour que certains puissent indiquer, attention, avec ce char-là, je suis très puissant. Donc, à voir qu ce que ça va donner. Allez, on continue la vidéo. Amélioration du système d'équipage et là ouf, ça va, ça enchaîne tellement vite hein, on a même peine le temps de voir les trucs et là ça fait plaisir parce que sur le serveur euh, Sandbox donc un serveur un peu bac à sable qu'ils avaient fait à un moment, ils avaient fait une version 2.0 de, de l'équipage où ils avaient tout refait à neuf avec euh, comment dire, c'était plus des membres d'équipage, c'était un équipage en anti, enfin, ensemble. Donc, en gros, c'est plus, vous avez le commandant, le tireur, le, char, le pilote, etc. C'est vraiment, c'était un équipage qui était, on va dire, c'était juste, vous avez une, une grille avec euh, des compétences un peu partout. Enfin, bref, vous allez chercher d'autres youtubeurs, avaient fait des vidéos dessus. Moi, c'est vrai que je m'en suis pas occupé parce que c'était à peine sur un sandbox. Et finalement, bah, j'ai eu raison d'un côté de ne pas faire une vidéo centrée dessus vu que ça n'est pas arrivé. Mais bon, ceux qui l'ont fait, allez la voir, ça vous intéresse. Mais voilà, là maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est juste améliorer le système actuel en modifiant certaines compétences, en en rajoutant des nouvelles. ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que par exemple, le chargeur, bah, lui, il a que les trois premières compétences qui étaient. Un... Enfin, il avait, il n'avait que ça, il n'avait rien d'autre derrière. Ce qui fait que. Bah, des fois, bah Bon, certes, vous avez les trois compétences à plus, les trois du groupe en haut. c'est pas faux. et D'ailleurs, non. Il y a même encore la quatrième, euh, Extincteur, qui d'ailleurs, là, ils ont décidé de. La mettre sur le radio opérateur. Ce qui était pas stupide en vrai, parce que dans la réalité, souvent l'opérateur radio, lui, à côté de ça, il avait une petite mitrailleuse aussi en charge en même temps, ou des fois, peut-être, c'est lui justement qui s'occupait d'éteindre les incendies ou faire des réparations et tout. Si jamais parmi vous, il y en a qui connaissent mieux, dites-le moi, mais souvent, je sais que l'opérateur radio, en principe, il avait une petite mitrailleuse. Euh, en... enfin, qui pouvait s'occuper en plus parce que voilà euh, communiquer c'est très important mais par moment il faut s'y faire un peu autre chose après ça dépend du char etc mais enfin bref là il propose donc et ça va venir donc enfin une mise à jour ils vont refaire l'équipage avec de nouvelles compétences des compétences qui ont été un peu modifiées d'autres qui ont été euh, améliorées etc et ça ça fait plaisir même si certaines j'ai l'impression on l'air d'être très puissante, il risque d'être problématique. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de Cookie Baby. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un youtubeur anglais et qui est aussi sur Twitch, qui lui euh, parle très longuement. Il y aura vraiment tout ça de A à Z. Alors je ne vais pas le faire ça aujourd'hui. Euh, ça, je le ferai plutôt que en, la mise à jour qui sortira là-dessus. Parce que là, il y a toujours des trucs qui peuvent être modifiés entre temps. Si ça vous intéresse, euh, vous mettez pause à la vidéo et vous regardez ça un par un. Ou sinon, vous irez voir celle de Cookie Baby, par exemple, qui lui parle vraiment de chaque compétence. Après lui, c'est en anglais, donc il a pas tout le monde qui comprend bien forcément. Mais voilà, dans l'eau, il y a certaines compétences qui sont on a très puissantes, genre notamment celle sur le tireur. Nous a une concentration qui permet d'améliorer la dispersion de 2,5%. Donc c'est comme l'équipement visé à améliorer, sauf que lui, c'est 5 ou 7% ou 8% en fonction euh, dans quelle catégorie vous le mettez ou bien si c'est un équipement version rouge. Et là c'est 2,5%, donc certains se disent c'est pas grand chose. En vrai, ça aide quand même déjà pas mal. Hein. Ça permet peut-être de réduire de 0,01 euh, la dispersion de base. Et ça peut des fois bien aider. Enfin, je veux dire, ça en plus de la ventilation et tout, ça peut commencer à faire beaucoup. Après, il y a d'autres euh, compétences en dessous, je qui sont très puissants, genre là le chez le rechargement, le close combat qui améliore. Euh, le rechargement de 2,5% si maintenant vous avez un ennemi qui est à moins de 50 mètres de vous. Donc c'est dans le petit cercle euh, de détection euh, automatique hein, que je vais expliquer déjà sur la vidéo euh, de la mini-map. Donc vraiment, il ouais, y a certaines compétences qui peuvent faire très très mal. Hein. Ça c'est clair et net. Euh, close combat, là, ça peut faire beaucoup. Après je sais qu'en plus il y en a qui boostent encore plus les membres d'équipage en teamwork. Il si y en a qui sont... Euh, dans votre signe enfin dans votre reine, ou je sais plus quoi enfin bref je vais pas rentrer dans les détails ça j'y reviendrai quand ça sortira mais c'est ce que je voulais en fait qu'ils fassent sur euh, les membres d'équipage C'est qui en fait ils retravaillent euh, les compétences parce qu'il y en a certaines à l'heure actuelle qui sont très bien d'ailleurs il y en a certaines on peut voir qu'ils ont pas touché ils ont pas modifié et d'autres qu'ils ont modifié parce qu'elles elles étaient pas si terribles que ça ou bien les boost pour les rendre vraiment intéressantes à aller les chercher et en même temps ils en rajoutent d'autres notamment pour le, le chargeur donc ça j'ai vraiment hâte pour moi c'est vraiment ce qu'il fallait faire après faut juste voir si les nouvelles ne sont pas trop euh, puissantes etc enfin bref ça c'est une question d'équilibrage qu'on revient plus tard mais voilà en tout cas je ça je suis vraiment hype dessus alors toutes les aptitudes fonctionnent ensemble je vois pas trop ce qu'il veut dire par là, à part peut-être dans le sens, parce que c'est vrai que la petite image, on, on montre que ça, à 1%, ça commence déjà. En plus, ça, c'est une compétence. Euh, merde, c'est laquelle, celle-là euh, Ah, j'ai oublié son nom. C'est celle qui inflige des dommages critiques. Et justement, jusqu'à l'heure actuelle, c'est toujours une compétence qui marchait qu'une fois à 100%. alors que là, on voit qu'à 1%, le truc est déjà validé. Donc, je pense que ça veut dire qu'en fait, toutes les compétences. Euh, dès que vous commencez à les apprendre, ben, fonctionneront déjà et en fait s'amélioreront au fur et à mesure que vous montez dans les pourcentages. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas plus mal, même si certaines compétences ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, à voir comment ils vont les modifier, etc. Ensuite, voilà, ils améliorent un petit peu le système de réentraînement et tout, ça c'est vachement sympa, surtout que maintenant vous allez pouvoir avoir un équipage. Pour 3 tanks sans pénalité. Ça, c'est vachement cool. Ce qui fait que si maintenant vous montez une branche et que vous voulez garder les tiers 8, 9 comme moi par exemple, eh bien, votre équipage, vous ne serez pas obligé de à chaque fois euh, le réentraîner si vous voulez repasser d'un tank à l'autre. Là, vous allez pour un équipage pour votre tiers 8, tiers 9, tiers 10. Et en même temps, vous pourrez le mettre au char Premium puisque lui n'a pas de souci euh, de réentraînement dessus. Donc, ça, c'est vachement cool. Par exemple, l'équipage qui est sur mon. Bah, je vais prendre la dernière branche qui est sortie, mais sur mon Minotauro, bah, je pourrais nouveau le remettre sur le tiers 9 ou sur le tiers 8, jamais je veux le sortir. En plus, le tiers 8, j'avais bien aimé, euh, si vous avez vu ma vidéo dessus. Et puis voilà, et puis je pourrais toujours le mettre sur le Vipera, puisque lui, c'est un char premium. Donc ça, je trouve que c'est un truc qui fait vraiment plaisir, parce que c'est vrai que des fois, euh, je veux dire souvent, quand on monte une branche, en principe, à la fin, l'équipage, on le met sur le tiers 10. Et en fait, derrière le tier 9, ça, si maintenant on l'a vraiment beaucoup adoré, comme par exemple le E-75 que j'adore énormément, ben ça fait quand même un petit peu de chier de devoir refaire un équipage depuis le début. Alors après, c'est vrai que certains tanks changent de membres d'équipage d'un tank à l'autre, par exemple le e 75 a cinq membres d'équipage, là où le sang 100 en a 6, si j'ai pas de bêtises. Euh, donc c'est vrai que des fois, de toute façon, il fallait quand même, entre guillemets, en refaire un mais bon, là au moins, si vous avez une branche avec vraiment tout le temps les mêmes euh, types de bonhommes à l'intérieur, ben, vous pourrez le garder euh, sur trois chars différents. Et ça, je trouve vraiment très très cool de leur part. Maintenant, aussi, les membres d'équipage que vous avez dans votre caserne qui ne servent strictement rien, hein, vous ne savez pas encore faire, vous allez pouvoir les convertir en livret euh, d'expérience pour d'autres équipages. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, il vous montre quand même, je pense, ouais, comment c'est refait à neuf. Je pense, ça, c'est comment on va l'avoir dans le jeu. Et tout ça, c'est vraiment très intéressant. Ah oui, maintenant, on va avoir, avoir une caméra des derniers instants. Donc, un instant, on était le joueur en ST1 qui vient se faire éliminer. En fait, vous allez avoir une vue qui vous montre votre adversaire, quel, quel type de munition il tire, quel type de calibre c'est. Et là, vous allez voir exactement où est-ce qu'il tire. Donc là, on peut voir que ça va exactement dans votre bas de caisse. Et ça vous montre justement l'effectif de pénétration qu'il a à ce moment-là. Donc 251. C'est l'obus à ce moment-là. Et votre blindage d'effectif 128. Et donc, effectivement, vous faites défoncer. Enfin, effectivement, le 251, super. À 128. Donc, voilà, ça perforce sans le moindre problème. Et ça, je trouve que c'est vachement cool parce que combien de fois. Bon, attendez, vous ne pas tout de suite. <laughs> J'ai du mal à remettre en arrière. Mais combien de fois j'en entends certains dire, ah oh, mais comment est-ce qu'il a pu m'avoir et tout Alors c'est vrai que des fois c'est pas forcément sur le dernier obus, mais là au moins pour le dernier tir, vous saurez quand vous êtes fait avoir. Par contre la question que je me pose c'est qu'est-ce qui se passe Si maintenant votre adversaire est invisible, je pense que à ce moment-là ça montrera peut-être que votre zone d'impact avec juste ces chiffres-là. Enfin bref, à voir quand ça sortira en mise à jour, mais je trouve ça quand même vachement intéressant euh, comme système. Sinon cette année il y a beaucoup de véhicules qui veulent rebalancer, enfin rééquilibrer et ça ça fait plaisir. Alors il y en a certains qui sont amusés déjà à tout décortiquer, euh, quel véhicule on voit et tout. Donc on peut apercevoir par exemple, je sais que là-bas au fond il y a le type 4 EV, donc ça veut dire est-ce qu'ils vont rééquilibrer toute la branche euh, du type 5 EV, et OI, etc. <coughs> Désolé. Euh, en vrai ça ferait plaisir parce qu'ils ont été touchés deux fois en termes de rééquilibrage. À l'heure actuelle, ils sont. C'est un peu particulier. Enfin, j'ai envie de dire que c'est la Gold, surtout qui a tendance à les pourrir. Ce qui est dommage. Mais moi, je trouve que c'est des tanks. qu'au début, c'était très intéressant. C'était vraiment. En réalité, c'est une des mêmes branches que j'ai vraiment adoré monter. l'une de mes préférées en... à l'époque, quand je les ai montées. Vraiment très agréable. Des gros bourrins avec des canons qui ont une certaine efficacité. Certes, ils sont lents et tout. Ils sont grands. Mais moi, j'aime bien un peu ce côté bourrin, gros blindage. Qui ont quand même leurs points faibles. Mais quand on sait bien les jouer, ils peuvent faire de beaux carnages. Donc voilà, hâte de voir s'ils vont vraiment toucher à cette branche. J'en suis curieux. Mais sinon, là derrière, on peut voir le rhinocéranté Donc là, vous pouvez voir, oui, effectivement, comme je le disais, ainsi que beaucoup d'autres joueurs, il mériterait un petit coup de boost. Même si à l'heure actuelle, il reste quand même intéressant à jouer, parce qu'il a un canon que je trouve qui peut être, être très efficace. Euh, parce qu'il a quand même une bonne précision, de, une bonne dispersion de base. Et un canon qui fait quand même assez mal. Mais voilà, hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont y faire. Parce que pour moi, il mérite quand même un petit coup de boost. Mais sinon, surtout devant, on voit le Batchat Vincenton. Donc vraiment curieux de ce qu'ils vont faire. Euh, peut-être que je ferai une vidéo à son sujet, justement. Si jamais il aurait équilibré, je ferai une vidéo par la suite de, euh, sur lui. Mais voilà, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Moi, je pense qu'avec lui, il y a juste à améliorer la précision, peut-être, et la perforation, et ce sera tout. nettement je ne vois pas quoi d'autre. Il y aurait à modifier dessus le blindage, aucun intérêt, c'est pas son objectif. Euh, Peut-être la portée de vue, mais bon, à ce moment-là, il empièterait largement sur la MX 1305, donc je suis pas sûr. Enfin bref, on verra ce qu'il propose. Mais voilà, et même nouveau le 121, alors que j'ai fait une vidéo l'année dernière, mais enfin bref, à voir. Tout ça, c'est quand même intéressant, et de toute façon, quand ça viendra dans les mises à jour, je vous préviendrai de tout ça. Là, on peut voir cette année, oui, il va y avoir pas mal de contenu de branches et là, je suis impatient parce que moi, j'adore monter les branches. Hein. Je pense que vous le savez maintenant. Euh, ça fait quelques années qu'il mettait à chaque fois que deux, enfin, entre guillemets que deux branches par an, donc une en début d'année, donc notamment les lourds chinois qui vont venir euh, la semaine prochaine, euh, mais sinon, il y avait une deuxième branche qui sortait en général vers août-septembre, comme l'année dernière avec euh, la branche des anti italiens. Mais là, pour cette année, il y a déjà les deux-là de prévu, en plus des lourds chinois qui arrivent. Donc là, nous avons une branche de lourds japonais et d'anti-chars japonais qui va venir. Et ça, vraiment, je suis impatient de les découvrir, parce qu'en plus, ils sont sur la version de World of Tanks Blitz, qui est une version portable, je crois, du jeu, un truc comme ça pour... Euh je ne connais pas trop, mais dites-moi en commentaire si vous connaissez ça. Mais je crois que c'est une version pour les téléphones ou je ne sais pas quoi. J'ai peut-être une bêtise. Mais voilà, donc deux nouvelles branches en plus. Donc on aura au moins trois branches cette année qui vont débarquer. Je dirais même quatre, parce qu'il y en a forcément une plus tard dans l'année avec une nouvelle mécanique. Donc vraiment, j'aurai pas mal de vidéos ce côté-là à vous faire cette année. Ça va y aller au niveau de contenu. Hein. Donc euh, peut-être que je ferai peut-être pas une vidéo sur le tier 7. Enfin bref, ça, on y reviendra plus tard. Donc voilà, nouveau véhicule, ça ça fait vraiment plaisir, plus de contenu parce que, après, voilà, faut pas oublier, c'est qu'au début du jeu, c'est vrai qu'ils rajoutaient beaucoup de contenu. Je me souviens que moi, quand j'avais commencé le jeu euh, en 2013, chaque mise à jour, il rajoutait une nouvelle branche. Mais bon, au début, en même temps, c'était normal, c'était pour vite rajouter beaucoup de contenu. Et là, depuis quelques années, ils en rajoutent que deux par an parce qu'en même temps... Pas, faut pas se mentir, il y a quand même beaucoup de chars dans le jeu. Je veux dire, à l'heure actuelle, j'ai quand même 78 tanks euh, tier 10 dans mon garage. Alors, certes, il y a un certain fait des chars spéciaux, donc ça ne veut pas dire qu'il y, enfin, y a pas de branche derrière. Mais quand <coughs> on enlève les tanks spéciaux, je croyais peut-être aller à euh, 70 ou un petit peu moins. Donc, il y a quand même beaucoup de contenu. Hein, sachant qu'il y a encore de quoi rajouter le double dans le jeu, vous imaginez même pas, c'est impressionnant euh, tout le contenu possible. Donc voilà, on continue. Et une nouvelle mécanique. Donc, euh, vachement intéressant. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Il vous montre une petite vidéo à ce sujet. Regardez ça. Hop. Oh là 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 Ça tire, ça tire, ça tire. Et en fait, on peut voir que c'est euh, genre une petite mitrailleuse. Donc, il y en a, qui parlent de canon anti-aérien. Et qui en fait a un système de surchauffe. Donc, il faudra un moment. Euh, ça va bloquer parce que le canon chauffe trop. Et attendre que ça redescend. Je pense que ça va être un délire comme ça. Et donc, en fait, est ce qui prévoit tout simplement de mettre des canons, euh, enfin des chars anti-aériens, euh, comme on peut le voir ici, parce que oui, et c'est là, on voit, c'est du double canon, c'est pour ça que ça me fait encore plus rire quand certains disaient à l'époque, euh, la branche VST2 est sortie, ouais, c'est n'importe quoi, bah ben, les gars, les trucs à double canon, ça existait, alors certes, ne sont pas aussi gros calibre, mais l'idée d'avoir deux canons, ça a largement été envisagé à gauche à droite, notamment pour se débarrasser. De l'aviation, donc, euh, hâte de voir ça. Et qu'est-ce que ça va être comme type de branche Après, est-ce que c'est juste un véhicule pour tester la mécanique et tout Donc, je suis quasiment sûr que plus tard dans l'année, on aura une, une branche autour de ça, de ce, ce système avec, avec un très petit calibre. Hein, parce qu'on peut voir quand ça tire, euh, c'est vraiment des petits dégâts, mais qui s'accumulent quand même très très vite. Parce que là, on voit à la fin, il est quand même dans les... 500 et des poussières, mais voilà, ils tire beaucoup, le mec est de flanc, avoir euh, la pénétration que ça aura et tout, j'espère que ce sera équilibré, enfin bon, ça ne sortira pas tout de suite, après, c'est pas impossible ce soit pour plus tard, parce que je sais aussi qu'il y a quelques mois, ils ont fait un des tests sur leur serveur, euh, super test ou je sais pas quoi, avec un tank avec la mécanique du lance-flamme, oui, et puis dans la réalité, ça a aussi existé des tanks avec euh, des lance-flammes auprès, notamment, euh, je crois, le Churchill Crocodile, ou je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, euh, qui pourraient donc débarquer un jour ou l'autre. De toute façon, les Wargaming, depuis quelques années, ils aiment bien rajouter à chaque fois une nouvelle branche avec une nouvelle mécanique. C'est pour ça que je suis sûr aussi qu'un jour ou l'autre, nous aurons la branche des chars français avec les gros tanks qui ont deux tourelles. Dessus, hein, donc je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur le mode Halloween de 2017, si je dis pas de bêtises, avec le Léviathan, où justement on pilotait des chars euh, français avec euh, deux tourelles dessus et oui, On a vraiment euh, fabriqué, enfin envisagé ça en tout cas. Et il y aurait carrément de quoi faire une branche complète dont certains proposent. Euh, notamment sur le forum de World of Tanks avec un tier 10 qui serait monstrueux en termes de taille mon dieu le stock ah oui là, à l'époque ils avaient envie d'imaginer sacrée chose <laughs> enfin bref cette mécanique a l'air intéressante à voir qu ce que ça va donner mais moi honnêtement j'ai hâte de voir ça mais ce sera surtout je pense pour des chars moins trucs comme ça mission de reconnaissance qui va revenir avec cette fois-ci des cartes nocturnes et ça c'est vachement cool hâte de voir ça euh, sinon, ils veulent rajouter aussi en jeu l'eau dynamique, donc en gros avec les montées euh, de marée ou je sais pas quoi. Euh, enfin, voilà, vous connaissez ça, vous connaissez ça très bien. Ou des fois l'eau recule simplement au bord de mer hein, et tout, hein. et donc, euh, bah, ce qui fait que par moment on aura plus de zones accessibles pour contourner les adversaires et tout. Et par moment l'eau va remonter, donc attention, je sens qu'il y en a qui vont se noyer. Mais vraiment très intéressant ce, cette nouveauté. Hein. Et sinon, là, là, la dernière chose assez What the fuck ils vont rajouter, c'est des objets dynamiques. Donc lui, il veut mettre des éléments du décor interactifs qui vont venir euh, <laughs> carrément se cracher sur nous. Donc avec un plein, des avions et tout. Donc vraiment... Euh, voilà, c'est le dernier truc qu'ils ont mis. Donc, alors, ce passage-là de fin, je suis vraiment très curieux de ce que ça va donner. Parce que ça peut faire très très mal. Est-ce que ça va faire du one-shot? Par exemple, si l'avion se crache sur un bonhomme et ce qu'il se fait direct détruire, je ne sais pas, mais honnêtement, c'est. Je trouve l'idée intéressante. Il ne faut juste pas que ce soit abusé. Mais c'est vrai que d'un côté, ça peut modifier la carte en cours de bataille. Ça peut être intéressant quand même. Après à voir si l'événement est aléatoire. Euh, s'il a lieu toujours au même moment dans la bataille, ou bien s'il faut le provoquer soi-même si ça se trouve. Par exemple, l'avion, ou... Je sais pas, ou par exemple... Le, le Zeppelin, là, si ça se trouve, c'est en fait nous qui devons le détruire, peut-être en tirant des obusus, ça se trouve, il aura une barre de vie, je sais pas, admettons, je, je dis au pif, hein, mais genre, il a peut 1000 points de vie, bah, peut-être que si maintenant, il y a un Panzer 100 qui a envie de s'amuser et qui tire dessus, peut-être que là, ça va le détruire, et qu'en fait, dans les secondes à venir, il y aura l'animation que, justement, on voit là. Donc voilà, c'est ma petite idée... Est-ce que c'est un truc qu'on va provoquer ou est-ce que c'est un truc qui aura lieu de manière aléatoire, etc. Honnêtement, je trouve que ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire de qu'est-ce que vous pensez de ça. Je trouve que ça peut vraiment euh, valoir le coup de tester ça, de voir qu'est-ce que ça donne. Il faut juste pas non plus que ce soit trop abuser, mais ça risque de rendre les batailles plus pimentées. Et je... je suis curieux. Je suis curieux. Je préfère pas me prononcer déjà à l'avance. J'ai hâte de voir ça, mais il faut juste que ce soit bien fait. Donc à voir. Si, surtout si éléments on le provoque, ça, ça peut être cool. Voilà, 2023. Alors au cas où, il y en a certains, ils ont remarqué, mais c'est le Lion, qui est un Tier 10 italien qui est en serveur euh, Super Test, qui, on pense, devrait sortir cette année, comme lobj 780 l'année dernière, c'est-à-dire, en fait, on va devoir le fabriquer en dépensant des crédits ou bien des gols, des obligations, des plans, etc., pour pouvoir le monter. Et donc on risque, nous, d'en avoir 50 000 en vente pour l'obtenir. Donc voilà, petite euh, dernière info, c'est que ce qu'on présume pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel, mais il y a fortes chance qu'apparemment que ce soit ça. Enfin bref, cette vidéo est terminée. Donc euh, dites-moi en commentaire de qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Honnêtement, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Euh, vraiment hâte de, de voir tout ça, parce que là, ça, ça promet beaucoup. En vrai, <laughs> c'est impressionnant tout ce qu'ils ont en tête de faire. Waouh, c'est, c'est monstrueux. Enfin, tant mieux parce que c'est vrai qu'il y avait quelques années, il n'y avait pas tant de choses de ça à rajouter. Et là, une nouvelle carte ou ligne de front, euh, de plus de nouvelles branches, du rééquilibrage de cartes, du rééquilibrage du véhicules. Et tout, c'est vraiment, je suis impatient de voir tout ça, est-ce qu'ils auront le temps aussi de mettre tout ça dans l'année, à voir, euh, nous verrons, mais bon, s'ils si mettent au moins déjà une bonne partie, ce sera déjà une bonne chose, et puis voilà, de toute façon, on verra ça tout ça ensemble, dans les prochaines mises à jour, tout le long de l'année, je vous ferai comme d'habitude à chaque fois une vidéo dessus, etc, et puis voilà. Allez, donc, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé mes vidéos de manière générale, à commenter et tout ça, pour tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tout ce que j'ai présenté, etc. Et donc, encore, je vous souhaite une bonne année 2023, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sur World of Tank. en espérant que cette année soit encore meilleure que l'année dernière. Hein. Allez, ciao ciao tout le monde, et passez un bon week-end